En fait, ce qui fait que dans Aladdin, on fantasme complètement sur le monde du Moyen-Orient. Sous-entendu l'islam, par exemple, accessoirement, mais bon, c'est le Moyen-Orient par excellence. Les princes, les génies, tout ça. Bah, c'est parce que, tout simplement, il n'y a presque pas, en fait, dedans de symboles, même pas du tout, je crois. Coranique, c'est-à-dire il n'y a pas le croissant et l'étoile, ou alors c'est décoratif, parce que ce serait très joli d'ailleurs. J'ai relevé aussi qu'il n'y avait pas de connotation islamique dans le sens, il te coupe la tête facile, il te tranche les mains facile quand t'es un voleur, mais dedans ils ne font pas référence à Allah, en fait. Et les 5 prières par jour, tu les oublies dans Aladdin. Quelque part, c'est une vision un peu fantasmée qui correspond malheureusement pas à la réalité, mais de manière générale, dans le monde entier, rien des dessins animés n'est vrai. Enfin, en tout cas, dans le gros, grosso modo, rien n'est vrai. Malheureusement.